Je repars m'installer définitivement là-bas. Tu peux toujours essayer de me convaincre que j'agis mal, que je rate ma vie, et surtout la tienne. Sache que tout ce que tu pourras dire ne changera rien. Et moi, je ne suis pas devenue ce que tu rêvais que je sois, et je ne le serai jamais. Oui, je comprends, c'est pas facile. C'est pas beaucoup parler toutes les deux. Et à force de silence, tout ça, tout d'un coup, je... Attends. Attends, on ne part pas, je... Il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas trouvé un médecin, ni un avocat, ou un notaire à épouser. J'ai rencontré quelqu'un là-bas, et je l'aime, cette femme. Donc voilà, c'est tout. Je sais, c'est assez. Maman? 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 Oh mon Dieu! Elle est morte! Ça a failli tourner en meurtre, comme elle dit. Tu peux te permettre? Oui, tu peux te permettre, ma grande. Regarde ces deux visages de femme, Sacha. Regarde-les bien. Il y aura toujours des gens pour les traiter de tous les noms. Des gens qui détourneront le regard. Des gens qui les aimeront comme ils sont. Et il y aura toujours ta mère. Tu peux même pas les regarder. Mais tu voudrais quoi? Que je continue à passer pour la bonne ou la cousine Germaine? Mais je peux pas, moi je peux plus. Je suis définitivement pas le prince charmant. Manifestement pas celui de tes rêves. Encore moins celui de ta mère. Le prince charmant veillé, c'est comme la lune, tiens. Il n'y a encore personne qui a marché dessus. Mais je crois que tu aurais pas dû boire ce nom parce qu'il avait un petit coup de bouche. Mais j'en ai marre de tes discussions sans qu'une telle, j'en ai marre de ta fuite continuelle, j'en ai marre. Laisse ce sacodile. Écoute, il faut que tu me laisses encore un petit peu de temps, tout ça, c'est si difficile. Oui, je sais. Mais on est en train de s'abîmer, Sacha. Alors avant que tout soit cassé, moi je préfère m'en aller. Mais je te laisse encore un peu de temps. Hein? Toute seule. Ça sera peut-être plus... Mais c'est ridicule, hein. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, un petit peu de temps? Disons le temps que l'homme mettra à marcher sur la lune. Au-delà de ça, moi...